Bonjour et bienvenue sur notreprof.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment accélérer l'arrêt de Windows 7. Donc, toujours en modifiant la base d'enregistre. Pour cela, on va cliquer sur Démarrer. Ensuite, nous allons taper Regedit pour accéder à la base d'enregistre. On valide par Entrée. Là, on confirme par la touche Oui. Et puis, on valide. Là, on valide directement dans HK Local Machine. On déploie la clé. Ensuite, on va aller directement dans le système, car c'est le système d'exploitation qu'on souhaiterait modifier pour qu'il puisse arrêter de façon rapide votre système Windows. Alors, on va aller dans Current Control 7, on déploie la clé. Et là, on va accéder directement dans Control, on sélectionne et on va regarder côté droite, Wait to Kill Service Timeout. Là, par défaut, il est positionné sur 12 000, cela correspond à 2 secondes, donc nous, on va le positionner à 3 000, qui correspond à 3 secondes. Ça permet d'accélérer, vraiment de killer les services rapidement, et ça nous permet de gagner du temps. Voilà, vous validez par entrée, puis vous fermez les sessions, enfin plutôt redémarrer votre machine, et ensuite, vous chargez, en fait, vous faites un petit test, et là, à ce moment-là, vous pouvez chronométrer, arrêter votre ordinateur, vous allez voir, vous allez gagner quelques pourcentages, quelques secondes au niveau d'arrêt de votre système. C'est rien, mais vraiment, si vous avez beaucoup de processus, beaucoup de services qui sont démarrés en cours, le service comme le logiciel antivirus, service bureautique, service internet, service d'imprimante et ainsi de suite, d'impression pour les imprimantes sans fil, c'est vraiment, je conseille de le faire, c'est vraiment rapide. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur notreprof.fr. Au revoir.